C'est par une conférence débat sous le thème Autonomisation financière de la femme avec un travail ordonné pour la stabilité du ménage que l'ASBL Initiative Plus Olive Lembe Kabila a célébré la journée internationale dédiée à la femme, une commémoration qui a réuni plus de 400 femmes issues des organisations féminines de Goma. Les détails dans ce reportage que nous signe Patrick Osialoua. Elles étaient au total 400 femmes, issues de différentes couches sociales de Goma, qui ont participé à cette cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée par l'ASBL, Initiative Plus, Olive Lembe Kabila. Célébrée sous le thème international « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, pense que seule l'autonomisation financière de la femme lui fera atteindre à cet objectif. Nanson Kubuyandoole est coordonnateur national de IPOL. Avec maman Olive Lembe Kabila Kabange, nous avons choisi un sous-thème, l'autonomisation financière, le travail ordonné pour la stabilité des ménages. Maman Olive Lembe Kabila veut profiter de cette date du 8 mars 2021 pour sensibiliser la femme congolaise au travail, mais aussi la pousser à plus d'initiatives, d'imagination, de créativité, d'innovation, parce que dans ce monde de COVID-19, si toute la charge des ménages est laissée à papa et donc à l'homme, les ménages, les foyers ne seront pas en mesure de subvenir aux besoins des membres des familles. Et chaque famille, comme composante de la société, ne sera pas en mesure d'apporter sa contribution pour le développement de la société, parce que la société est composée par nos différentes familles. Voilà le message clé de Maman Olive Lembe Kabila. Ces messages, elle les vit parce qu'elle travaille, elle fait le commerce, elle assiste, elle appuie son mari, elle est dans la... Ces messages interpellateurs de maman Olive Lembe Kabila à travers son ONG a été soutenu par les femmes présentes à cette célébration. Nous devons nous mettre aussi en action, nous devons travailler au même pied d'égalité que les hommes, mais tout en sachant que nous sommes des femmes, parce que c'est ça notre nature. Nous devons nous développer. Nous devons créer quelques sources de revenus afin de pallier aussi à quelques besoins même de nos familles. C'est par un repas d'ensemble, agrémenté par le groupe musical Mélodie du Ciel, que cette célébration s'est ponctuée.